Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur FIFA 20, la suite de la compétition de la Liga. Et aujourd'hui, nous jouerons contre Metz à leur domicile. Allons-y, c'est parti les amis, go! Voilà, on va jouer avec notre maillot préféré. Et il est stylé. Moi, j'aime bien leur maillot, sérieux. Allez, on va rejoindre 4-3-3 aujourd'hui. Nous allons rejouer en normal. Sauf que moi, je passe l'entraînement. Ça va un petit peu plus vite. Par contre, l'autre jour, Salut, ma bienvenue à dernière tous. Vous vidéo. voyez, les conditions météo qui nous attendent aujourd'hui sont absolument excellentes. Pierre Ménès est à mes côtés, prêt Ouais, à vous ouais, faire vivre ouais. de grands moments. À Ma suivre dans dernière quelques vidéo, on instants, m'a pas un match entendu, de Liga hein. Ma Conforama. dernière Le vidéo FC sur la Metz Liga. affronte le Paris Parce que en fait Saint-Germain. j'avais Ouais, oublié encore un match d'activer le intéressant à suivre, frigo. entre deux formations qui Le pour micro, l'instant pardon. assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer Donc c'est les recettes qui parti. marchent. Bon, je dis pas que ça va être un match. On cherche des Si, solutions là. j'espère que ça va être un bon match quand Ils même, perdent parce ce que bon, ballon. se prendre un but Enfin, le gros dès pressing les premières efficace. Ils se minutes. retrouvent peut-être avec un Ah but. non, 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 Tentative de là loin. ça va pas aller, hein. Ah, c'est Non, contré. non, ah non. Allez, l'occasion peut-être de mener. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette Attendez, il faut que je action. me remette dans le bain là parce que bon. Ouh. Il est à Mine de peine rien. Paris il est à Dakar. peine 6h25 du matin. Renaud Et Cohen. comme vous pouvez entendre à ma voix, je suis très très bien arrivé. C'est du gros. Marvin Gakpa, ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Prise de balle parfaite. Mbappé qui est un élément moteur de son équipe. Eh mais oh! Donc il faudra suivre la prestation de près aujourd'hui. Mais vous avez Doublé plus lors de fait son à dernier nous match avait les marqué les Metzlois esprits là, les. et en pleine Non, je sais pas confiance. comment on dit. Comme Non! par les Parisiens. Je vais galérer ce match. Qu'est-ce qui marche? Je vous jure que je vais Tariq galérer. Boulaya. Ouais, non, ça passe assez loin des cages. Je le sens. Déjà, je sens que les joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont lourds quand tu les contrôles ou quoi. Je sais pas. J'ai une Non, elle a impression été bizarre. interceptée cette passe. Le Paris Saint-Germain Oh qui est le là favori là, ils sont évident de cette fatigués en plus, confrontation on aujourd'hui. dirait. Chercher l'ouverture, bien sûr. Oui, Non, mais non, dans non, l'espace, oh il l'a non! vu. Oh putain, Oh, il l'a ce tir raté. qui passe vraiment tout près de la barre transversale. Heureusement pour moi qu'il l'ait raté parce que bon. La honte, dès le début du match, hop, se prendre un but. Ah non, là on n'est pas du Magique tout. qui Non, récupère ce non, 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 ballon. non, là on n'est pas du tout magique. Là on se fait bouffer là, mais quelque chose de bien. Ah regardez, à Ah, très peine bonne pris la balle, hop, anticipation c'est sur ce l'autre qui ballon. reprend. André Di Maria. Un Ah magnifique ouais, moi plongeon dès que hein, sur j'ai ce le ballon, pas trop ballon difficile à près de la négocier. surface, je tire. Rien à foutre. Ah, la belle précision de Neymar sur ce corner. Bien Non, dégagé non, là, ce non, non, ballon non. qui était dangereux. Thiago Silva. Thiago Silva. On l'a Pas assez longtemps désigné comme le fort. meilleur défenseur central du monde. Oui, il a beaucoup Mais il d'autorité court sur sa vite, hein. défense. C'est un mec qui est facile dans ses interventions parce qu'il a une technique très au-dessus de la moyenne. Le Paris Finalement, malheureusement Saint-Germain pour lui, un aujourd'hui attaquant qu'il qui n'aime ne sont pas pas, dans c'est leur une grande grosse forme, je déception dirais. pour Hein. Zidane. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Ouais, Neymar, superbe ballon dans l'intervalle, attention. Attention Neymar. Et Ah. Neymar, 1-0. Ouf. Ah c'est. J'ai un peu stressé quand même hein, parce que bon. Waouh. C'est chaud patate là. Chaud, chaud, chaud. Non, non, le match il est un peu dur quand Il était en même, on dirait. surface, tranquille, il a placé son ballon. Ouais, voilà, ouais, carrément, tranquille là. J'ai cru que On va se Cash mettre Vanny sous un autre allait angle. me gêner parce que regarde, on m'a dit qu'il était défenseur le Mongol.
Attendez, parce que j'ai un truc dans l'œil, c'est désagréable. Oh, voilà, c'est bon. Le PSG est bien placé pour l'emporter, qui met le score. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Je voulais tirer, mais non. Un petit peu trop loin quand même. L'ouverture. Bien joué. Ballon perdu par les mais Parisiens. Non. Bien joué. Cavani. Edinson Cavani. Donc on apprécie généralement la polyvalence et l'esprit combatif. Ça c'est sûr que le côté combativité, il n'y a rien à redire. C'est quelqu'un qui court beaucoup, qui fait de très bons appels. Moi je lui reprocherais tout ça. Ouais d'accord, pour faire ça, c'est pas la peine. C'est un adversaire qui récupère. PSG qui perd ce ballon. Son Cavani. En jeu, oh putain de merde. Eh hey, grandes oreilles, faut arrêter hein. Putain, range un peu tes oreilles parce que ça fait courant d'air, ça fait voile. Donc t'es emporté par le vent. Mbappé, Edinson Cavani. Edinson Cavani qui fait partie de ces attaquants qui ont besoin d'un petit peu d'espace. Hein. Il n'a pas joué dans les ballons captés par le gardien. Ah, bien capté même. Kevin Graham. Edinson Cavani. Toujours Cavani. Qui centre et ce n'est pas cadré. Ah mais bon vas-y, on peut pas avoir on peut pas toujours marquer hein. Moi je veux bien, mais je me souviens dans les années 90 quand j'étais footballeur j'arrivais pas à marquer non plus tout le temps hein. J'étais champion du monde. C'est pas le ballon, ils le perdent. Cavani, Di Maria. Allez Di Maria, tu me fais plaisir. Le but là pour André Di Maria. Ouais d'accord. La bonne parade, attention, ce n'est pas terminé. Et le corner, allez, pour faire le break, pourquoi pas. Le corner de Di Maria dans la surface, c'est contré. Ouais, on va aller plus loin le ballon, vas-y. Ça revient dans les pieds de l'adversaire. Il s'échappe. Bon. Ce centre qui trouve finalement un joueur adverse. Tiens gros. Marvin Gakpa. On a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. André Di Maria. L'espace et c'est rendu direct à l'adversaire. Ah oui, je me souviens les vieux jeux de foot qu'il y avait avant. On les sent toujours aussi concentrés dans ce match. Rien n'est joué évidemment, mais sur ce qu'on voit. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Ah oui. Avec une bonne possession du ballon, ils peuvent au moins garder leur but d'avance jusqu'au repos. A complètement raté cette passe. Ouais. Ah, on peut prendre l'espace là. Renaud Coad. On voit bien qu'il ne se précipite pas. Attention le tir. Oh, c'est à côté. Ah, mais oh, carrément. C'est pas passé loin. Pas passé loin. On va regarder, mais... Wouh. Ah oui, non. C'est vraiment passé juste à côté, quoi. Bravo, félicitations, les enfants. Neymar. Neymar qui perd le ballon. Ah non, le ballon est perdu.
Il est dépossédé du ballon par Marquinhos, c'est à la régulière. Le ballon dans les pieds de Di Maria. Cavani pour exploiter ce centre. Mais non, ce centre qui n'aboutit pas. Ils veulent pas perdre, hein, mais. Sous le feu du pressing et il a été obligé de se débarrasser du ballon. Alphonse Areola. Il cherche Kylian Mbappé par-dessus. Il s'est fait piéger comme un bleu. Et surtout, il gâche une belle occasion de but. L'action qui a été stoppée sur ce hors-jeu, un peu plus évident. Ah ouais, quand même. J'ai mis dans la face. C'est un adversaire qui récupère cette passe. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu. 1-0 à la première période. Bon, c'est mieux que rien. De la première période de Neymar. Il a livré une première période, franchement. Alors, on va tout de suite aller. Ah oui. Allez, resserrer, ouais. On va jouer comme ça, 4-2-3-1 pour cette seconde période. Allons-y, c'est parti. Il n'y a pas de changement à faire. Non, pour l'instant, non. On verra s'il me demande ou quoi. Voilà, c'est reparti pour cette seconde période avec le PSG qui donne le coup d'envoi. Mbappé. Neymar. Entre Di Maria, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, allez le centre maintenant, en jeu, Neymar, le drapeau s'est levé. Putain Neymar, tu fais chier de sérieux. Bruno Coed. La passe est coupée et bien défendue. Ouais, ça profite. L'arbitre laisse jouer. Bien arbitré, ça. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Il essaye de trouver la faille. La frappe. Ah, ce ballon qui finit loin du but. Ah oui, j'ai un jaune. Ah ouais, ouais, l'arbitre. Ouais, c'est le jaune. J'ai du mal avec Thilo Kehrer là, il est exactement coiffé comme Neymar. Ouais, c'est le gardien, quel dernier mot sur ce ballon. Ouais, belle sortie. Thomas Delaine, Marvin Gakpa. Il prend sa chance, pas de soucis pour le gardien. Avant, disait les prochaines rencontres qu'il y aurait eu et tout, les stats. Et tout. Et maintenant il ne le dit plus. Bon bah on va le faire à sa place. Prochaine vidéo, nous jouerons contre le Racing Club de Strasbourg. Le ballon est intercepté. Une balle d'égalisation. Et le voilà, le but de l'égalisation. Ça m'apprendra à commenter le prochain match. Cette occasion. Et ouais, c'était pas la plus compliquée en effet. Ah, quelle est belle cette égalisation. Importante également surtout. Ah, hein. Oui, elle est importante parce qu'elle vient couronner tous les efforts consentis pendant tout le match. Allez, j'ai envie de dire que c'est mérité. On va y avoir du mouvement dans l'équipe parisienne, Pierre. Ah, c'est Angel Di Maria qui laisse sa place à Julian Draxler, champion du monde 2014, il faut le rappeler. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Toujours Cavani. Ouais, le bon ballon en profondeur de Cavani. Ouais, le drapeau qui s'est levé. Mais dommage parce qu'il était seul. Ça c'est con. Putain, sérieusement, c'est n'importe quoi les hors-jeux.
À la lumière de ces stats, on voit que les deux équipes font jeu égal en ce moment, avec des occasions de part et d'autre, et aussi des buts, on l'a vu. Pour gagner, il faudra aller encore plus de l'avant, tout en se montrant plus solide derrière. Oh, c'est bien donné en profondeur. Il cherche Neymar. Ah, c'est pour personne. Ouais, c'est récupéré, c'est bien joué. Je crois que ça fera un partout. Hein. Bon. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ander Herrera. Kevin Draxler. Putain. Ça fait encore une perte de balle hein, pour le PSG. Là, il est vigilant, il protège bien son ballon. Il n'y a rien à dire. Intercepté par Marco Verratti. Neymar. Pas tellement de solutions. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, ça c'était tout bon. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. J'aurais dû tirer avant. Non, non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Et le couloir est désert, le PSG va pouvoir en profiter. Un centre pour Cavani. Putain, mais il m'a fait quoi d'autre? Au bout du compte, pas de danger. Edinson Cavani. Bon, allez là! Est-ce qu'il va prendre un deuxième jaune après cette faute? Entraîneur du FC Metz qui va faire entrer un joueur frais. Ouais, c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant qui va gagner un peu en temps de jeu. Neymar va céder sa place sur le terrain. Le buteur qui sort, on va voir ce que l'entraîneur met en place maintenant. Il n'y a personne au but, c'est bon. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Hors-jeu, hors-jeu. Il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard, mais le résultat est le même. Ballon perdu par les Parisiens. Il a récupéré. Cavani. Il t'insère, toi. Et c'est dangereux. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Et c'est chaud, hein. Il est en train de remonter le terrain. Allez, faute, oui, faute et coup franc, ça peut être dangereux. Ça va, il sort pas de carton. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon, et à faute, bien sûr. C'est un peu emporté sur ce tac glissé. Qui vient raser le montant. C'est pas mal fait du tout ça. Ça aurait peut-être mérité un meilleur sort. Le défenseur qui accompagne ce ballon du regard, je peux vous dire qu'ils sont soulagés de le voir sortir. Alors je ne sais pas si le gardien a été battu ou pas, mais il doit être soulagé quand même de voir ce ballon sortir. Ouais, moi c'est, je pense qu'il est content. Eh mais ils sont cheatés. Le allez, dernier quart d'heure du temps réglementaire. Thomas Delaine, Bruno Coed, Kevin Graham, Barret Belaya. Ça enchaîne bien à côté Messin. Les passes arrivent à destination. Kevin Draxler. Pablo Sarabia. Cavani. Paris qui perd le ballon encore une fois. Bruno Coed. Ah non mais ils sont chauds hein, quand même. Ils pas le ballon, ils le perdent. Draxler. Qui nous régale encore avec cette parade. C'est pas possible, c'est un mur le machin. Le corner qui va atterrir aux abords de la surface.
Et il dégage. Pour que ça revienne. Là, normalement. Bruno Cohen. Farid Boulaya. Opa-Nguet. C'est une mauvaise passe, c'est cadeau. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, c'est bien fait, il a bien fait de ne pas se rater. Draxler. Edinson Cavani. Putain. C'est dégagé. Et le score qui n'évolue plus, les deux équipes qui font vraiment ouais, jouer bah. Pour le moment. Bruno Cohen. Putain, m'énerve. Le ballon bien repris par Thiago Silva. Non, il m'énerve carrément. Et... Ouais, bonne transmission. Ouais, très beau geste défensif, il a évité la catastrophe. Ça n'arrivera pas. Bruno Cohen. L'ouverture. Marco Verratti pour intercepter cette passe. Cavani. Là, ce sera un bon moment. Allez, cours. Côté parisien. Ballon qui est rendu au camp adverse. Mais non, mais vas-y. Putain, allez. Bien donné encore une fois. Non, on a compris l'intention. Allez, putain de merde. C'est un qui récupère. Edinson Cavani. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Non, elle est interceptée cette passe. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Quoi ? Oh là là ! Le défenseur qui a bien jailli pour écarter ce ballon de la tête. Edinson Cavani. Mais c'est donc la fin du match à l'instant sur ce score de Paris. La barre. Ah, non, franchement, c'est serré comme match. Waouh. Allez, je n'aime pas le kicker. La première à la dernière minute. Kicker. Ah bah ouais, bah c'est fini, t'as vu. Sérieux, appliqué dans ce match. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser le petit like et le petit commentaire qui va avec. Ensuite, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, naturellement. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, par exemple, pour être au courant de mes prochaines vidéos qui sortiront. Eh bien, je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Et le but de Neymar.